Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Compte rendu de la 20e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 1er novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 20e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'accélérer la modernisation du cadre et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a commencé par rappeler que dès son accession en 2019 à la magistrature suprême, il avait fixé un cap clair devant mener notre pays à son émergence sur le moyen terme par l'impératif d'assurer notamment la construction et ou la réhabilitation de nouveaux bâtiments administratifs. La réforme de l'administration publique, telle qu'accentuée et recalibrée depuis 2021, a certes permis d'engranger plusieurs progrès, partant de l'identification biométrique, la normalisation de la gestion de carrière, la réforme du cadre juridique et des cadres organiques, la relance de la retraite, la réforme de la sécurité sociale, l'inclusion salariale, jusqu'aux efforts en cours pour la mise en place d'une nouvelle politique salariale. Cependant, depuis maintenant plusieurs décennies, notre pays n'a pas priorisé la construction des bâtiments des services publics. Cette triste réalité, perceptible aussi bien au niveau central que dans les provinces et ETD, a induit l'abaissement drastique de l'image de marque de l'État et de par là son autorité. Le président de la République a donc invité le gouvernement à redoubler d'efforts pour imaginer des mécanismes innovants pouvant progressivement répondre à cette problématique et améliorer ainsi l'image de l'État en tant qu'employeur responsable. Il s'agit d'envisager une réflexion ou encore de manière structurelle une stratégie de modernisation du cadre de travail des fonctionnaires. Dans cette perspective, conscient des contraintes financières que peut rencontrer une telle volonté et considérant qu'aucune transformation ambitieuse ne peut réussir sans mécanisme efficace et réaliste de financement pouvant permettre d'accompagner durablement le processus de changement, il a appelé le gouvernement, au regard du plan d'action, à réfléchir sur la mise en place d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Ainsi, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avec les concours de tous les collègues intervenants, à produire une première esquisse de la réflexion sur la mise en place du fonds préconisé. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la récurrence des incendies dans les grandes villes du pays. Le président de la République est préoccupé par les cas d'incendies causant plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines, qui sont déplorés depuis quelque temps à travers les grandes villes du pays, et particulièrement dans plusieurs usines, marchés et alimentations. La circulation des camions-citernes contenant de produits pétroliers ou même l'existence des dépôts illégaux et clandestins des 10 produits ont été à la base des catastrophes observées en 2023 sur l'axe Rampoint-Gabalimété au point de Kinshasa. Il y a lieu de faire remarquer qu'à l'occasion de ce genre de sinistre en République démocratique du Congo, les feux se propagent assez rapidement et causent d'énormes dégâts faute d'un dispositif anti-incendie efficace. De ce qui précède, le président de la République a engagé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, à diligenter la mise en œuvre d'un plan multisectoriel de lutte contre les incendies impliquant les différents acteurs du secteur en vue d'une meilleure application de la législation en vigueur dans les volets protection civile. La rivalisation du corps des sapeurs-pompiers
à travers une application stricte de la réglementation et une mise à disposition de moyens conséquents, devront être envisagés aussi opérationnalisés. La Direction générale des secours et d'incendie, dont le décret a été signé depuis le 12 février 2024, sans réellement fonctionner pour ces services publics. Par ailleurs, les missions d'inspection des véhicules, usines et autres bâtiments doivent être diligentées pour contrôler et sensibiliser sur la sécurisation adéquate et ce, en conformité avec la loi et les textes réglementaires en la matière. Un rapport sur les initiatives qui seront prises à ces propos est attendu d'ici un mois. Du suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale, le troisième point de la communication du président de la République. Sur ce point, il a rappelé les termes de sa communication à la première réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 juin 2024. En effet, il annonce qu'il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale pour s'assurer de son efficacité et que les conséquences devraient être tirées à l'issue de cet exercice qui garantit un bon rendement par chacun du service qu'il rend à la nation. Au vu du temps déjà passé et du besoin impérieux de voir le gouvernement remplir ses tâches à la grande satisfaction de nos concitoyens, le président de la République a informé que l'évaluation annoncée va débuter dès ce mois de novembre 2024 et sera dans un premier temps axée sur l'exécution de ses instructions données, des recommandations faites et des décisions prises lors des différentes réunions du Conseil des ministres. À cet effet, il a engagé la Première ministre à définir, en collaboration avec son cabinet, un mécanisme d'évaluation mieux élaboré pour atteindre les résultats escomptés. Les derniers points de la communication apportés sur la création d'une aire protégée à vocation de réserve communautaire dénommée Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Le président de la République a reçu les rapports des missions d'évaluation effectuées au nord de Beni et au sud de l'Ituri sur la stabilisation de cette partie de notre pays où les Abefnalu avaient installé la terreur et causé la mort de plusieurs de nos compatriotes depuis 2021. Après avoir constaté les succès du modèle de stabilisation par la combinaison du développement économique, il a également noté avec satisfaction les résultats obtenus à la suite de la mise en commun des efforts de communautés locales, de l'Institut congolais des conservations de la nature, de la Fondation Virunga et des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cet ordre, le président de la République a levé l'option de créer une aire protégée à vocation de réserve communautaire, dénommée Couloir Vert Kivu-Kinshasa, devant permettre le développement d'une économie verte entre l'Est et l'Ouest de notre pays. La première phase de ce projet sera matérialisée dans la zone incluant la route nationale numéro 4 de Beni à Kisangani et les bassins du fleuve Congo de Kisangani à Kinshasa. La création de ces terres protégées positionne notre pays comme leader des solutions de lutte contre les changements climatiques et le rend incontournable pour l'atteinte des objectifs communs de l'accord de Paris. Cette décision préservera plus de 100 000 km² de forêt primaire, confirmant la République démocratique du Congo comme pays solution. À cet effet, il convient que l'Institut congolais des conservations de la nature, assisté des différents services du ministère de l'Environnement et de ses partenaires, procède à l'élaboration d'une étude de la nouvelle aire protégée qui soit intégrée dans la phase 2 du PDL 145 territoire. La mise en exploitation de 2000 hectares, dont 1000 hectares seront dédiés aux plantations des palmiers à huile dans chacun des 145 territoires du pays, l'objectif étant de renforcer la production du biodiesel à partir de l'huile de palme sur l'ensemble du territoire national. Que le centre de recherche de Yangambi soit chargé de la préparation des semences de noix de palme destinées à ce projet et que le conseil consultatif résidentiel du Pacte national pour l'agriculture et l'alimentation accompagne la mise en exploitation de ces palmeraies dans les 145 territoires. Dès lors,
Il a engagé les gouvernements sous la coordination de la Première ministre et en étroite collaboration avec son cabinet à proposer les facilitations fiscales susceptibles de garantir le succès de ce projet et que tous les ministres et services concernés par les initiatives déclinées supra s'emploient activement à leur matérialisation. Dans la suite de la communication du président de la République, le chef du gouvernement est revenu sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 qui a été élaboré en conformité avec notre Constitution et la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Ces textes s'inscrivent résolument dans la continuité de notre programme d'action du gouvernement et tient compte des 6 priorités de son Excellence Monsieur le Président de la République telles qu'exprimées au cours de son discours d'investiture le 20 janvier 2024. Après un débat riche et animé de près de 10 heures, ce projet de loi des finances de l'exercice 2025 a été déclaré recevable et transmis à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour examen approfondi. Ce projet du budget est équilibré, tant en recettes qu'en dépenses, totalisant 49 846,8 milliards de francs congolais. Cette somme représente une hausse significative de 21,6% par rapport à la loi des finances de 2024, qui s'élevait à 40 986 milliards de francs congolais. En tant que chef du gouvernement, elle a appelé chaque membre de son cabinet à faire preuve de responsabilité historique et patriotique face au défi de concrétiser le programme que nous avons présenté au peuple congolais à travers ses élus légitimes. Elle a rappelé également, avec la plus grande solennité pour conclure, que notre programme d'action vise, au-delà de tous des objectifs principaux, d'une part, bâtir un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et prospère, d'autre part, établir durablement les fondations d'un Congo émergent, où l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité est renforcée et les villes sont interconnectées. C'est donc à nous de nous engager ardemment et avec patriotisme dans ces perspectives prometteuses qui se dessinent devant nous, a-t-il conclu. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a donné quelques informations relative à l'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'est achevée, lesquels état d'esprit demeure globalement calme. Dans les volets politiques, le vice-premier ministre a fait état de la tenue du 28 au 29 octobre 2024 de l'atelier d'évaluation des recommandations sécuritaires de la 10e session de la conférence de gouverneurs de province en vue de l'organisation très prochaine de la conférence de gouverneurs. Dans les chapitres de banditisme et criminalité, il a annoncé les débuts ce jeudi 31 octobre 2024 des audiences foraines consacrées à la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, conformément à l'instruction du président de la République annoncée lors du Conseil des ministres du vendredi 18 octobre 2024. Ces audiences foraines seront également tenues dans les prochains jours dans d'autres villes du pays afin d'amortir la courbe ascendante de la criminalité. Dans les chapitres des sinistres et catastrophes, il a signalé que dans la ville-province de Kinshasa, il y a eu un crash d'hélicoptère des FARDC le 30 octobre 2024 autour de 11h à la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Ndolo, occasionnant la mort de 3 membres d'équipage. Dans la province du Sud Kivu, des dégâts importants dont la destruction de 1150 maisons et des écoles dans le territoire d'Olivienne qui s'est abattu le 30 octobre dernier. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son point par la situation aux frontières en épinglant la signature le 30 octobre 2024 à Djouba de l'accord créant la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Sud-Soudan et la République démocratique du Congo. En marge de cette activité, il a été reçu en audience par le président sud-soudanais Salva Kiir pour lui transmettre les messages de son homologue congolais, à savoir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours sur ces mêmes points, le vice-premier ministre de la Défense nationale a
fait le point au Conseil de la situation opérationnelle dans l'est de la RDC principalement, qui est marquée par la résistance de nos forces aux offensives des agresseurs rwandais et de leurs supplétifs du M23 autour de la localité des Pinga en territoire de Walikale, occasionnant des déplacements massifs de population. Nos vaillants militaires défendent leur position et en empêchant la prise de la dite localité et de son aérodrome et la progression vers de nouvelles localités. En Ituri, le point a été fait sur la poursuite des opérations de la force conjointe FARDC-UPDF pour empêcher les retours de terroristes et ADF-MTM vers le triangle de la mort. À l'ouest, la traque continue contre les Mobondo. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, intervenant en tant qu'invitée, a informé le Conseil des développements de la conjoncture intérieure qui reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique attribuable à la poursuite des efforts de coordination des politiques budgétaires et monétaires. Sur les marchés des biens et services, le taux d'inflation hebdomadaire s'est stabilisé à son niveau de la semaine passée à 0,11%, portant le cumul annuel à 10,38% contre 18,97% de la même période en 2023. Le marché d'échange est demeuré relativement stable dans ces deux compartiments. Le franc congolais s'est déprécié de 0,37% à l'indicatif et s'est apprécié à 0,47% au parallèle. Les cours mondiaux des produits intéressant l'économie congolaise, à l'exception du cuivre, ont globalement connu une tendance à la hausse au cours de la semaine sous analyse. Considérant les facteurs de risque externes et internes, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien du dispositif de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires et la poursuite de l'exécution de réformes structurelles utiles à la transformation de notre économie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté les tableaux épidémiologiques du pays avec un accent particulier sur les mpox et le choléra. S'agissant du mpox, il a fait état d'une diminution des cas, passant de 688 à 603, une baisse de la létalité de 1,51% à 1,12%. Cette tendance à la baisse est observée au pays depuis 3 semaines depuis l'atteinte du pic de la courbe épidémique à la 38e semaine épidémiologique. Au sujet du choléra, il s'observe également une diminution du nombre de nouveaux cas, passant de 480 à 461, avec une légère diminution du nombre de décès de 9 à 8 décès, soit une baisse de la létalité de 1,95% à 1,67%. Les provinces les plus touchées restent le Nord Kivu, les Haut-Katanga et le Sud Kivu. La province du Nord Kivu représente 59% de cas de tous les pays au cours de cette semaine. Le ministre de la Santé a par la suite présenté le programme du début des vaccinations contre la malaria ainsi que les derniers détails sur l'évolution de la situation de l'hôpital du cinquantenaire. Deux notes d'information relevant du secteur de transport. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présenté une note d'information comprenant deux points. Le premier point, porté sur le compte rendu sur la mobilisation des financements chinois dans le cadre de la coopération avec la République démocratique du Congo, dans les soucis de maximiser les opportunités offertes par les 10 actions du président chinois Xi Jinping pour l'Afrique, réitérées au cours du FOCAC tenu du 2 au 3 septembre 2024 en Beijing, le président de la République avait mis en place une équipe gouvernementale pour piloter cet ambitieux programme résultant de cette coopération. Après un travail d'information et d'harmonisation, la coopération Chine-République démocratique du Congo a dressé la liste des secteurs prioritaires qui comprennent notamment les infrastructures, l'agriculture en mettant en œuvre les zones économiques spéciales sur au moins 6 hectares, les secteurs énergétiques, la transformation de ressources minières, la santé, l'action de partenariat pour les échanges culturels avec la formation de près de 4000 enseignants et d'autres points. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puces.
Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport, ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire, a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser, sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Négociation d'un nouveau programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit et du programme au titre du Fonds de résilience et de durabilité. À ces sujets, le ministre des Finances a informé le Conseil de l'arrivée à Kinshasa d'une mission du Fonds monétaire international pour amorcer les négociations de ces deux programmes de la période allant du 30 octobre au 14 novembre 2024, ce qui permettra leur validation par le Conseil d'administration du FMI au mois de décembre 2024. Cette conclusion s'effondrera sur le cadrage macroéconomique ainsi que sur les principales réformes à mettre en œuvre dès janvier 2025. Le ministre des Finances a souligné qu'un montant total de 2,5 milliards de dollars sera mobilisé sur une période de 3 ans repartie comme suit. 1,5 milliard pour la facilité élargie de crédit et 1 milliard pour la FRD à condition que les réformes proposées soient ambitieuses et bien mises à de la facilité élargie du crédit dont les décaissements sont destinés à renforcer les réserves de change afin de répondre aux besoins de la balance de paiement de la Banque centrale du Congo. Les souhaits du gouvernement est de solliciter qu'une partie soit allouée aux investissements. Les ressources de la FRD seront directement versées au compte général du Trésor pour financer les politiques publiques du gouvernement. Pour appropriation, le ministre des Finances a fait l'économie de la matrice de mesures potentielles qui seront abordées au cours des négociations. Il a été complété à ses propos par le ministre d'État, ministre du Budget. Et le Conseil a pris acte de cette note d'information. Lancement du régime commercial simplifié RECOS entre la République démocratique du Congo et le Burundi en marge du sommet des chefs d'État du COMESA. Après avoir rappelé la nature et les missions du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le ministre du Commerce extérieur a souligné que parmi les mécanismes de renforcement des échanges commerciaux entre les pays voisins, cette organisation a institué les régimes commerciaux simplifiés, qui est un système lancé en 2010 en reconnaissance du fait que le commerce transfrontalier constituait un élément important du commerce régional et qu'il fallait le formaliser en mettant en place des instruments et des mécanismes décentralisés adaptés aux besoins de petits commerçants parmi lesquels se trouvent des hommes et des femmes de personnes vulnérables. Il en a présenté les avantages, notamment la simplification pour les petits commerçants de procédures d'importation et d'exportation ou encore la réduction sur les tarifs des taxes et des paiements d'autres services à la frontière ou d'une augmentation des bénéfices de petits commerçants. Les lancements du RECOS entre la République démocratique du Congo et les Burundis a eu lieu le 30 octobre dernier en marge du sommet des chefs d'État du COMESA. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. La dernière note d'information a porté sur le rapport sur la tenue de la première édition de la Foire de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil le rapport sur la première édition de la Foire de la formation professionnelle tenue à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024. Il a précisé que cette foire s'entend comme un cadre devant répondre à la nécessité d'accélérer d'une part les processus de création d'emplois dans d'autres pays et d'autre part le creuset de valorisation des corps des métiers dans différents domaines et filières de la vie nationale. La foire Toyeko Lamosala
cela vise donc la promotion des métiers et des corps de métiers dans les secteurs de la vie nationale. La première édition, qui avait pour thème la formation professionnelle, levier des développements du capital humain de la croissance économique de la RDC, a connu trois activités majeures, notamment la promotion des métiers, l'exposition d'initiatives et activités par les centres de formation professionnelle, l'inscription en ligne et en présentiel des demandeurs de formation à des programmes spéciaux gratuits des formations professionnelles dans les différentes filières, la tenue des différents panels et sessions d'intelligence collective. De commun accord, à l'issue des échanges techniques entre praticiens, bénéficiaires, décideurs et bailleurs, il a été retenu qu'à la problématique récurrente de l'employabilité dans notre pays, la formation professionnelle offre plusieurs opportunités à travers ses aspects d'insertion sociale, des réinsertions et des reconversions professionnelles et des valorisations d'acquis d'expérience. Le Conseil a aussi... Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 19e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 25 octobre 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à texte, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu pour une durée de 15 jours prenant cours le 8 novembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencée à 16h45, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h31. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer.